Bienvenue dans cette nouvelle édition du Décryptage sur Africa 24. Maître Sahir Oundou Barek est le chef de la mission de l'Union africaine au Niger. Dans le cadre de sa mission liée au double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre 2020, il a rencontré toutes les parties prenantes à ces élections. Élections dont il a d'ailleurs assisté à toutes les étapes. Dans cette édition du Décryptage, Maître Sahir Oundou Barek partage avec vous, téléspectatrices et téléspectateurs d'Africa 24, les détails de sa mission, y compris les leçons à tirer de l'expérience électorale au Niger. Quelles ont été les principales actions menées par l'Union africaine dans le cadre de cette mission au Niger? L'Union africaine a dépêché une forte délégation constituée de 5 missions et de 10 observateurs, dont la tâche essentielle est de suivre les déroulements des élections au Niger et de s'assurer de leur régularité et de leur transparence. C'est ce que nous avons fait hier soir, tant à Niamey que dans 5 régions où se trouvent nos représentants. Ces recommandations feront l'objet de discussions entre la CEDEAO et les délégations des observateurs. Juste après le déroulement de ces opérations, on va se réunir, discuter et évaluer ce travail d'observation commun. Quelles leçons peut-on tirer du processus électoral au Niger? Au Niger, nous avons suivi hier le déroulement des opérations. Nous avons constaté que les opérations électorales se sont déroulées normalement, conformément à la réglementation, dans l'ordre, la discipline et la quiétude. Les Nigériens ont voté en toute liberté et la sécurité a été assurée. Et je peux vous dire que j'ai interrogé beaucoup d'électeurs, des représentants des partis politiques et les présidents des bureaux, tous était satisfait du déroulement de ces opérations. Et je pense que l'expérience du Niger est louable parce qu'on vit pendant ces jours une alternance paisible entre un président sortant et un futur président élu. Et ça, ça honore l'Afrique. Et je pense que l'expérience du Niger est une expérience que nous devrons tous méditer au niveau du continent et suivre cet exemple. Les élections en Afrique restent à des périodes sensibles avec dans certains cas des violences qui découlent de graves tensions pré- ou post-électorales. Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour prévenir la survenance de ce type de scénario? Et chaque fois qu'il y a ce genre de violence, l'Union africaine adopte une stratégie préventive qui consiste à envoyer des délégations sur le terrain, bien avant les élections, pour entreprendre des contacts avec les différentes parties en conflit ou en mésentente, en vue d'arrondir les angles et de réussir dans la paix, la transparence de l'élection. Et jusqu'à présent, ça aboutit dans l'ensemble. Et sur ce plan, l'Union africaine fait un travail remarquable, qu'il faut louer et qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Comment l'Union africaine peut-elle être plus efficace dans ses missions, notamment de promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent? L'Union africaine, chaque fois qu'elle assiste à une élection, elle procède à une évaluation. Et à la lumière de cette évaluation, elle essaie d'apporter les correctifs nécessaires pour que les prochaines élections, les lacunes, les dysfonctionnements puissent être évités. Et ça, ça marche jusqu'à présent. On ne peut que nous en réjouir et encourager notre organisation continentale à persévérer dans cette voie, qui est la voie du salut. Sans démocratie en Afrique, point de développement, point de paix. Il faut qu'il y ait un ancrage réel de la démocratie. Et cela ne peut se faire que par les Africains eux-mêmes et non pas
ceux qui viennent d'ailleurs pour donner des leçons. Africa 24, partenaire officiel de l'Union africaine, est engagé depuis sa création dans l'accompagnement des institutions comme la vôtre qui œuvrent pour la démocratie en Afrique. Comment pouvons-nous être plus pertinents? Je suis un téléspectateur assidu de Africa 24. Et j'y suis ce programme. Elle gagnerait mieux à être plus présente sur le terrain, chaque fois que les besoins se fait sentir, et d'adopter sa ligne éditoriale, de l'adopter au contexte du moment. Comme ça, elle peut aider à éduquer, à informer tout d'abord, mais aussi à éduquer nos populations. Merci. Et nous vous encourageons, c'est le travail remarquable que vous faites.